troisième édition. Étape de la tournée européenne d'automne, tournoi international qui entre dans la même catégorie que la Swiss Cup. Et bien entendu, comme d'habitude, nous nous trouvons en compagnie de Laurent Barbieri. Salut Laurent. Bonjour Olivier. Et on débute très fort Laurent, hein, avec oui. Jordan Yotchev, le Bulgare, au sol ici pour entamer donc cet Arthur Memorial Gunder où on va retrouver de sacrés artistes, de sacrés compétiteurs, puisque eh bien, on va avoir des champions du monde tout simplement à l'image. Voilà, l'image de Jordan Yovchev, vous l'avez dit Olivier, vous savez que c'est quand même le plus vieux gymnaste avec Dimitri Karbanenko, le français. Sur le circuit international, il doit avoir 32 ans, il a deux mois d'écart avec Karbanenko. Ouais, et puis on suivra aussi Oksana Chuzovitina, qui elle aussi fait partie des vétérans hein, de ce circuit. Voilà, Oksana Chuzovitina, et toute une pléiade de champions d'Europe et du monde, et même olympiques, dans ce mémorial. Lui, notamment, il a été champion du monde aux anneaux en 2003. Il avait eu l'argent au sol en 2003, Jordan Yotchev. Il avait obtenu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'Athènes au sol. Ah, c'est un grand nom, un grand monsieur de la gymnastique mondiale. Voilà. Qui en termine donc avec son premier agrès. On rappelle un petit peu le principe, Laurent. Les gymnastes évoluent sur les différents engins à raison de 3 pour les jeunes femmes et 4 pour les messieurs. Voilà, tout à fait. Un mini concours général sur donc ces agrès et un système donc de qualification, comptage de points sur les agrès pour déterminer le résultat.